à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Command & Conquer 3 et Guerre du Tiberium. Et on reprendra pour terminer l'acte 4 de la campagne du Node. Le cessez-le-feu que j'ai dit vient de se terminer et il est temps maintenant de récupérer le reste du commandement des troupes du Node en Australie en récupérant la base d'Iron Rock des mains de Killian. Excellent. Qui a dit que Kane était KO? Ok. Tout d'abord, il faut s'emparer de la base. Une fois que c'est fait, écraser toutes les forces de Killian. Elle sera forcée de se rendre. Et elle sera jugée par le maître. Commandant, Kane ordonne à nos soldats de ne pas lutter contre les envahisseurs. C'est de la folie, on va se faire démolir là-bas. Je respecte votre loyauté pour mais au nom de la confrérie, au nom de l'humanité, je vous en conjure, mettez un terme à votre mission. Ensemble, vous et moi, on peut trouver un moyen de retourner la situation. Pitié, commandant, vous êtes mon seul espoir. Je n'aime jamais me battre contre les miens, mon frère. J'utilise un petit groupe pour prendre le contrôle de la base rebelle au sud, puis utiliser les ressources acquises afin de sécuriser le QG de Killian sur Iron Rock. Tuez tous ceux qui se mettent en travers de votre chemin, mais gardez Killian en vie. Kane veut s'en occuper, oui mais... Notez bien que je dédie pas une base avancée à l'Est, et qu'ils n'ont pas oublié ce qui s'est passé entre le Node et eux à Sydney. Attendez-vous à une violente riposte, j'ai l'idée afin de la bataille sur Iron Rock. Nouvelle transmission. Prenez le contrôle de la base de Killian au sud, en capturant son centre opérationnel et son chantier de construction. Ne laissez pas vos saboteurs mourir. Bien reçu. Au temps normal, c'est facile parce que vous avez un... Base ennemie en vue. J'écoute. En attente. Un avatar d'un élevé autant bien difficile. Reçu. C'est... Cible c'est pas mal quoi. Enfin. Attaquer son fer. Alerte. Voilà. Comptez sur moi. On est libre. Marche. Qu'est-ce qu'il vous faut? Arme prête. Bien reçu. À bord. En avant. Bien reçu. On peut travailler. Je peux ensemble. Vous aider. Unité ennemie en vue. Qu'est-ce qu'il vous faut? Heureusement, nos sapeurs ont un gros boost de vitesse dans cette mission. Bien reçu. Ce qui va s'intéresser. Ressources transférées. Option pour nouvelle. On a les roquettes. Vous avez pris possession de la base du sud de Killian. Champ de bataille étendu. Structure vendue. Nouvelle transmission. Capturez ou détruisez le temple du Nord pour contrôler la base de Killian sur Ayers Rock. Ne détruisez pas le QG de Killian. Bon, ça va mission maintenant. Nouvel objectif. L'oppresseur doit mourir. Capturez tous les silos de Tiberium de cette zone pour financer vos opérations. Ouais, la mission n'est pas compliquée en soi. Base ennemie en vue. On dit pas d'arche, en construction. Prudence avant tout. Comptez sur moi. Oui. Il faut que je récupère. Allons voir ces cristaux. En attente. Oh, quel éclat. On est ennemi. Nouvel objectif bonus. Recrutez des mutants dans leur taudis pour renforcer votre armée. Construction terminée. Je suis prêt. Utilité attaquée. Voilà. Option pour nouvelle construction. En construction. Arme prête. Dégagez le passage. Je peux être utile. En attente. J'en veux encore. Et là, vous envoyez un collecteur. Construction prête. Bien reçu. Unité ennemie en vue. Option pour nouvelle construction. Votre base est attaquée. En construction. Ici, on fait 5. Mais voyons ça. Parce que c'est juste sa mission. Marche. Nous combattrons pour vous. Voilà. Division char. Opération. En plus, nous combattrons pour vous. Entendu. Unité ennemie en vue. Bien reçu. Collecteur passé. Que voulez-vous? Nous combattrons pour vous. Unité perdue. Entraînement. Unité attaquée. Au combat. On a les roquettes, on a les roquettes. Nous combattrons pour vous. Armes. On a les roquettes, on a les roquettes. Il y a quelques caisses de ressources en ville à droite, mais bon, ça...
au camp. Des mutants ont rejoint notre cause. Objectif de rassure rempli. Maintenant, on va éliminer les mutants. Exode des mutants. Si 11 années sont écoulées depuis que Anna sans mutant, notre enfant Panexpansa a disparu dans les terres abandonnées recouvertes par un Tiberium. Leur exil volontaire et tragique continue encore à ce jour, et aujourd'hui, alors que l'humanité se bat pour trouver sa place dans ce monde chaque jour plus malade, nos pensées se tournent de nouveau vers nos semblables horriblement défigurés. Qui étaient-ils et pourquoi sont-ils partis? Dans un élan de bonne volonté envers la population mutante, des modules d'habitation G330X ont été déployés aux limites des zones rouges en 2042. Donc bien, depuis, reçu de rapports indiquant que les mutants ont trouvé refuge dans ces modules. Je suis prêt. Mais bon. Marche, allons voir ça. Il y a bien longtemps. Prudence avant tout. Attention. Et voilà pourquoi j'ai installé cette tour. En construction. En attente. Division char. C'est justement pour contrer tour bombardier. Terminée. En construction. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai pas trop une meilleure solution en fait. Construction terminée. Ressources insuffisantes. Base ennemie en vue. Notre base est attaquée. En réparation. Par contre, un petit conseil, évitez. Vous ne devez pas détruire le QG de Killian, il doit survivre pendant toute la durée de la mission, et évitez de détruire trop d'unités ennemies. Toute unité que vous détruisez. Pas dans le QG de Killian, ce sera des unités en plus pour vos missions à vous. Enfin, pour la suite de la mission. Unité ennemie en réparation. Ce qui n'est pas forcément déplaisant. Avoir plus de troupes pour nous aider. Unité attaquée, unité perdue. Allons-y! C'est eux! Vite! Il faut des petites marques mesurées, ça veut dire qu'on t'a construction terminée, notre base est attaquée. Sélectionnez une cible. Ressources insuffisantes. Mais par contre, on va peut-être annuler les recherches parce que là, j'ai besoin. Optimisation terminée. Quel voulez-vous, opération ? Par contre, là, les avatars peuvent être ultra puissants étant donné que vous pouvez récupérer le sang d'intérieur. De vos unité ennemie en alliés. Enfin, alliés, je sais pas. Bien reçu. Bon, ça c'était fait. Par contre, là, on va se bourrer vraiment de tourelles anti-aériennes. C'est. Indispensable. Optimisation terminée. En réparation. En réparation. En construction. Mais bon, c'est. Voilà, et après, il y a plein de petits passages dans cette mission-là. D'abord, avoir une bonne petite armée là, pour défendre. Ce qui n'est pas compliqué en soi. Unité furtive détectée en construction. Construction terminée. En réparation. Optimisation terminée. Et c'est pour être défense anti-aérienne. Ça, c'est la première étape. À côté de ça, en fait, je réfléchis, c'est ce que j'en fais un petit peu plus. En faire plus souligner. En construction. On lance beaucoup d'attaques à gauche ici, on va. En attente, on peut travailler. On va utiliser notre dernier saboteur qui nous reste pour capturer un CEO du Tiberium. Enfin, un CEO du Tiberium. Je peux vous aider. Ça augmentera un petit peu nos revenus, ce qui ne sera pas non, qui sera non négligeable. Unité ennemie en vue. Déploiement impossible. Déploiement impossible.
tout ce qui nous rapporte des ressources en plus, on va pas s'en plaindre. Donc attendez, juste que je répare ça. Et on va commencer à construire le temple du node. Dont nous n'utiliserons pas l'arme nucléaire. On va construire le temple du node, mais on va pas l'utiliser pour cet objectif là, on va l'utiliser pour les objectifs annexes qui arriveront par la suite. Ça peut. La logique c'est qu'on tire un coup d'arme nucléaire. Vous tirez un coup d'arme nucléaire dessus, vous atomisez ça. Vous tirez un coup d'arme nucléaire ici, vous avez endommagé tout ça. Clairement, ça fait quelques troupes en moins. Mais le mieux c'est de préserver le plus possible ces troupes. En attente. Donc, évitons de les gaspiller, on va dire, entre guillemets, pour rien. Unité ennemie en vue. Cette tour à gazer va servir d'avoir rien. La liberté par les armes! Nettoyons ça. Bien reçu. J'en veux encore. Unité attaquée. En construction. Je suis prêt. Et si, pour information, les super armes apparaissent sur un map. Ça, je pense que si jamais votre super arme est sous technologie furtive, l'emplacement de la super arme est visible. Par contre, on ne la voit pas vu qu'elle est sous technologie furtive. En réparation, sélectionnez une cible. Unité perdue rationnelle. Vous ne pouvez pas vous amener à cacher une super arme avec. Soldats. En fait, avec votre technologie furtive. En attente. À mort. En bouillie. En pièces. Sans fer. En bouillie. En avant. Unité furtive détectée. Notre base est attaquée. Ah, pourquoi je m'embête vraiment autant avec mes. En construction. L'avatar en fait une fois d'élite, c'est l'unité vraiment d'élite améliorée à fond et l'unité un peu puissante du jeu. C'est. Quoique je. Ouais, si, je mettrais quand même dans l'unité un peu puissante, faudrait vérifier avec. Unité ennemie en vue. Tripode d'animation des aliens, mais. En sur ce coup là, je sais plus. Unité furtive détectée. Mais de manière générale, l'avatar est vraiment. C'est simple, avec un avatar, vous pouvez faire ce que vous ne pouvez pas faire avec les autres troupes. Quoi. Vous pouvez facilement infiltrer les ennemis. S'il n'y a pas de détection, vous pouvez détecter les unités furtives. Ce qui est génial. Et vous avez un double. Vous pouvez éliminer une ville à vous tout seul, avec son ensemble que vous insérez dessus. Donc, Unité ennemie en vue. Comment peut-on demander. Comment peut-on avoir quelque chose avatar, de mieux que ça et, prêt. Avatar, prêt. Après, c'est un autre débat, ça. Alors, nos tours anti-aériennes vont uniquement servir à neutraliser tout ce qui vogue, hein, bien évidemment, ça, je pense que vous en doutiez. D'ailleurs, il va me falloir 3 chars en soi. Entraînement, notre base est attaquée. En attente, annulée. Entraînement. Avatar, prêt. Attends, on va faire 2. Unité ennemie en vue. Arme prête. Opération. Le feu. Ça va être au combat. En attente. Allez, on commence à récupérer le matériel. Le feu. Ça brûle. Opération. Je suis prêt. C'est pour moi, en attente. Bon, je sais ce que vous dites. Ah, ça prend du temps, etc. Le souci, c'est que dans des missions comme ça, plus on avance dans les missions, je vous rappelle, plus il faut être, entre guillemets, opérationnel. Et prendre son temps à se préparer pour la suite de la mission. Ça brûle. Opérationnel. Après, voilà, c'est. On a un peu de mourir, bon choix.
Optimisation. Unité ennemie en vue. Intéressant. Opération. Quasiment. J'ai beau réfléchir, on me demande quand même que triple annihilation est ultra puissant. Tout à fait d'accord, mais moins puissant que l'avatar. Donc je pense que l'avatar est plus fort que triple annihilation. Sélectionnez. C'est la super utilité. Ne pas céder à la tentation de l'arme nucléaire. Ne pas céder à cette tentation. Même si j'admets que démolir ça, ça ferait vraiment du bien. Sélectionnez une cible. Collecteur attaqué. En attente. Mais non. Je suis quelqu'un de gentil, je dis pas arme nucléaire sur mes frères. Par contre, on va essayer de récupérer ces silos là-haut. Unité parce que les ressources. Moto est prêt. Nous aurons besoin pour la suite. C'est pour moi. Il nous oblige à devoir aller les chercher assez vite. Alors, ça vous verrez bien. À bord. En avant. Entendu. Voilà. En attente. Bien reçu. Bon, la mission en soi n'est pas compliquée. Ça prend juste un peu de temps. En soi, n'est pas compliqué. La technique que j'ai trouvée, c'est qu'en fait, je vais bombarder le temple du Nord uniquement avec des bombardiers vertigo. Je suis prêt. Jusque là, vous allez me dire, d'accord, le point n'a pas compliqué. En attente. Ça veut dire aussi que vous allez en sacrifier beaucoup de vertigo. Vertigo vérification terminée. Unité ennemie en vue. J'ai aucun scrupule à dire sacrifier carrément. Le but c'est en fait, il faut garder l'arme nucléaire pour juste pour l'enchaînement des missions qui. Enfin, l'enchaînement de la mission. La mission principale qui va suivre en fait. Bien reçu. Parce que c'est. Marche. C'est pas toujours facile de lancer correctement le missile nucléaire, mais si on a la chance de bien lancer d'avoir au bon endroit, vous neutralisez en fait la menace ennemie directement. Pour information, une fois qu'on a récupéré son Dire Rock, on va affronter le VDI. Entendu. Qui va avoir deux bases, dont une avec une super arme. En avant. Le but c'est de viser avec notre arme nucléaire, le but c'est de détruire justement le centre énergétique de la super arme. On peut travailler ensemble. Unité à l'opération. Est-ce que je craignais? Oui. Par contre, il y a un bug que je sais pas d'où il vient, jamais su d'où il venait. Oui. Mais parfois vos unités arrêtent d'avancer, s'immobilisent. Bien reçu. Entraînement. Unité furtive détectée, je suis prêt. Bombardement sur ma base. Attaqué. Voilà quoi. En réparation. En attente. Je connais la route. Bon tant pis, on aura récupéré ses rangs centrales comme sur son star. Unité poursuivre à l'opération. Unité furtive détectée. En réparation, vérification terminée. Vertigo, vérification. Sachez qu'en multijoueur, envoyer un avion. On a une cible. En attente. À 1800, se faire exploser comme ça, ce n'est pas en. Système furtif, ok. Vous avez beau avoir des ressources. Sélectionnez une cible. D'un nombre incroyablement important. Ça ne fait pas quoi. Bon, de 1 à cause de temps de construction, de 2 à cause de ressources utilisées inutilement et surtout pas de manière optimale. Prêt pour les coordonnées. Système furtif, ok.
Les gars, on va exploser ça. Après, mon taille bombardée vertigo comparé au Pyro. On a réussi à isoler Kylian. Mais globalement, vous perdez un ou deux vertigo en fait dans vos raids. Ce qui est négligeable. Entraînement. Un ou deux vertigo par raid. On a les roquettes. On a les roquettes. J'en ai perdu qu'un. Bombardier vertigo en standby. On a les roquettes. Pourtant, on peut pas dire que c'est pas allé quand même. Allons voir ça. De manière assez importante. Vertigo. On prépare au deuxième raid parce que normalement il faut 8 bombardiers de mémoire, il faut 8 bombardiers, enfin 2 raids de 8 bombardiers pour dégommer ce bâtiment. Donc se dire 16. Il en faut un tout petit peu plus de 8. Sélectionner une cible. J'ai sûrement pensé à un missile aussi bien pour anéantir. Et ça, rassurez-vous, en difficile, il ne répare pas le temps plus d'une autre. Vertigo, vérification terminée. Unité furtive détectée. Prêt pour les corps. Il ne répare pas, donc vous pouvez vraiment y aller. En réparation. Évitez d'envoyer 4 bombardiers. Si vous en envoyez 4, vous allez. La probable, en fait, plus vous envoyez des escadrilles massives, en stand-by. Plus votre probabilité que le pourcentage de vos avions reviennent est important. Prêt pour les coordonnées. Il est plus facile d'abattre 4 avions que d'en abattre 8. Sélectionnez une cible. C'est de la logique. Et faire deux. Là, il n'y a plus beaucoup de vie, donc j'ai gaspillé des bombes et des avions pour ça. Et justement. On vous reçoit. Les avions, c'est comme l'arme nucléaire, j'en aurais besoin pour un projet. Patrouilleur. Donc la technique, c'est vous le baissez plus en vie. Unité ennemie en vue. Vaisseau Venom prêt à décoller. Vaisseau Venom prêt à décoller. Et vous finissez avec Eren. Compris. Ce qui en soi est ultra simple. Il est dans le viseur. Ouais. Confirmé. Prêt pour un raid. Unité perdue. Champ de bataille étendu. Vous avez pris possession de la base du nord de Kylian. Des renforts du GDI sont en approche au nord. À l'œil transmission, le GDI a déployé un canon à ion. Détruisez-le avant qu'il ne l'utilise contre le QG de Kylian. Éliminez la base du GDI au nord-est d'Ayers Rock. Ne les laissez pas détruire le QG de Kylian. La revanche appartient seulement à Kane. Voilà. Kylian a été capturé. On va fumer le GDI. Sélectionnez une cible. Missile nucléaire lancé. Là. Et... Donc là, on récupère toutes ces armées. En avant. Et en visant l'arme nucléaire là où je l'ai mis. Sélectionnez une cible. On a fait sauter ces centrales énergétiques. Qu'est-ce que c'est ? C'était dur, hein. Unité ennemie en vue. Mais bon, il faut envoyer en fait tout derrière un raid. Avec une bombe à vapeur pour faire sauter le centre de, pour faire sauter le centre de contrôle. Sélectionnez une cible. Entraînement. Arme de prête. Ce bâtiment. Avatar. Voilà. La confrérie s'en remet à moi. Arme de prête. Comptez sur moi. La confrérie s'en remet à moi. Faux mais Venon. J'admets que l'armée est ultra massive. La confrérie s'en remet à moi. Et on s'y perd un peu. Je vois l'embrasement. Unité bon, la base sud est déjà neutralisée. Le GDI s'est infiltré à Ayers Rock. Unité perdue, unité attaquée. Une flamme après l'eau. Je suis là. Nous devons partager ce bichon. Je peux vous aider. Ok, c'est un moment. Reçu. On ne les lâche pas. D'accord. Dégagez le passage. Arme prête. Unité ennemie en vue. Oui. Avatar. Alors.
travailler ensemble. J'écoute. Je suis là. Besoin de silo. Il faut se mettre au boulot. Entraînement. Entraînement. Unité promue. Entraînement. Au combat. Ah, le bonus. On est toi, tu as trouvé ça. Libération. Unité attaquée en avant. Je suis prêt. Après, bon, on voit une attaque aussi au sud. Techniquement, il n'y en a aucune utilité d'envoyer une attaque au sud, tandis qu'il n'y avait qu'uniquement le centre de contrôle. Ça a l'air bon. Voilà. Tous les objectifs secondaires ont été faits. Et objectif principal. Bah, vous mandate aux troupes l'ordre de tirer de l'ordre de peu avancer et la base de vraiment détruire. Vous avez tellement de troupes données par Kylian que vous en fichez totalement des pertes. Bon, c'est tout en attitude agressive, finalement ça passe. Et si vous perdez, bah, vous pensez pas de bombarder à faire régler. Quoi qu'il en soit, cette mission. Ça prend juste du temps pour bien réaliser, mais cette mission est vraiment simple. Et je vous laisse avec cette introduction de Acte 5, vu qu'il nous reste un peu de temps. Quel gâchis! Mais le doute est comme un cancer qui doit être éradiqué. Je vous ai tout donné, Kylian. Une armée à commander, une place dans mon cercle intime. Un avenir dépassant tous vos rêves. Et tout ce que je demandais en retour, c'était la foi. Ma foi est forte. Je crois en la confrérie et je crois que vous avez abandonné tous vos disciples. Passez-moi, AJ. Dites-moi tout, AJ. D'accord. Parlez-moi de Sarajevo. Eh bien, c'est un peu confus. Vous m'avez bien dit que les troupes de Kylian avaient piégé le commandant. C'était un escadron rebelle. Il y avait une taupe au GDI et vous j'essayais... Vous avez dit qu'elle avait mis en péril ma personne, mes ministres des sciences, mais aussi l'avenir de la confrérie. Ce sont des rumeurs, vous n'avez aucune preuve. AJ s'est toujours montré fidèle. S'il témoigne contre vous, je n'ai pas besoin de preuves. Je n'ai pas vu de mes yeux les forces de Kylian à Sarajevo, mais je... Vous avez affirmé qu'elle complotait derrière mon dos. Vous l'avez qualifiée de traîtresse. Et nous savons ce qui attend les traîtres. La mort. Étaient-ce les troupes de Kylian, AJ? Je vous écoute. Allez-y, AJ. Condamnez-moi. C'est exactement ce que vous vouliez, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr de ce que Kylian veut. Tout est tellement confus. Je veux ce qu'il y a de mieux pour le Nod. Allez-y. Félicitations, AJ. Votre foi a été mise à l'épreuve avec succès. Comme prévu, commandant. Mon cercle intime est désormais prêt à vous accueillir avec plaisir. Bravo, vous êtes commandant en second. Laissez-nous. En réalité, je n'ai jamais eu l'intention de gagner la guerre contre le GDI. Chose que Kylian n'a jamais su comprendre. Le GDI a toujours vu dans le Tacitus une mise en garde contre les visiteurs. J'y vois l'opportunité d'inviter une race supérieure sur Terre. Une race connaissant très bien le Tiberium. Selon le Tacitus, une explosion de Tiberium liquide pourrait attirer un vaisseau des visiteurs. Mais aucune de nos expériences n'a jamais provoqué une explosion assez puissante. Voilà pourquoi j'ai déclaré la guerre aux GDI, pour les forcer à utiliser leurs canons à ions. Selon mes ministres des sciences, seule cette force pouvait faire exploser le Tiberium liquide. Bien sûr,
Notre plan nous a aussi permis de réduire les forces du GDI pour que les visiteurs accomplissent leur mission. Il y a 19 de ces tours en construction sur Terre. Ce seront bientôt des portails, des passages interstellaires vers des mondes inexplorés. Malheureusement, les tours sont codées. Impossible d'entrer sans code. Les codes se trouvent dans les relais aliens. Vous devez capturer une de ces structures immédiatement. C'est la clé pour réaliser notre destin. Eh ben, vous savez ce qui nous attend dans le prochain acte. Mais pour ça, je vous dis à une prochaine fois. D'ici là, portez bien. Et à ciao tout le monde. Et encore merci à regarder cette vidéo. To death. So you gotta fire up.